Aujourd'hui, j'ai réalisé un défi et pas n'importe lequel. Réaliser toutes les bombes nucléaires sur tous les Call of Duty, mais en moins de 24 heures. Le défi n'a jamais été fait par quiconque et demande généralement des jours pour être réalisé. Vu que le défi n'a pas été réalisé en stream, la date et l'heure ont été affichées en temps réel pour vous montrer ma bonne foi. Mais avant, fais en sorte de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification, en route pour les 200 000 abonnés, de liker la vidéo si ce genre de défi vous plaît. Si on atteint les plus de 2000 likes sur cette vidéo-là, je referai des concepts défis extrêmes et intéressants sur Call of Duty. Et de me follow sur les différents réseaux sociaux, que ça soit Twitter, Instagram ou Twitch, pour ne rien rater. Pour que vous puissiez mieux cerner la complexité de ce défi, il y a 4 points importants à aborder avant même d'attaquer. La première des choses étant la préparation du défi qui a duré environ 5 jours d'études des différents Call of Duty. J'ai dû étudier à peu près à quelle heure je devais jouer à tel Call of Duty, savoir à quelle heure il faut jouer et éviter un maximum les hackers, comme sur Modern Warfare 2 ou Call of Duty Modern Warfare 3. Quels sont les modes de jeu les plus propices pour réaliser plus facilement sa nucléaire? Tous ces éléments-là ont été fortement étudiés pendant 5 jours. Le deuxième point étant la difficulté du défi, s'habituer à toutes les nouvelles mécaniques de chaque Call of Duty, ou sinon le skill-based matchmaking, et surtout mon pire ennemi, le temps, puisque je ne vais pas pouvoir passer autant de temps que je souhaite. Étant donné qu'il y a 10 nucléaires à réaliser, et on ne compte pas Call of Duty Mobile, puisque ce n'est pas un Call of Duty traditionnel à la saga, j'ai un temps moyen de 2h40 pour réaliser une nucléaire sur un Call of Duty spécifique. Il faut savoir que j'avais déjà réalisé une première tentative en live stream, malheureusement elle a été échouée, et tout simplement parce que je me suis fait streamhack. Voilà, il y a quand même des gens qui ont passé plus de 5 heures à me streamhack à m'empêcher de réaliser ce défi-là, d'où le fait que je l'ai réalisé hors live. Je vous cache pas que j'avais un peu le démon, étant donné que la première game sur Cold War, j'ai tapé la nucléaire, j'ai tapé mon record de kill en solo avec 147 kills sur Call of Duty World War 2, une nucléaire contre un glitcher sur Infinite Warfare, et une nucléaire express sur Call of Duty Vanguard. Et du coup, je l'ai fait hors live. Et tout cela pour deux raisons. La première raison, c'est simple, ça demande un tel niveau de concentration que je suis obligé d'être focus et ne pas lire un chat à côté. Et quand je parle de niveau de concentration, il faut que je sois focus partout. Au niveau du shoot, au niveau du déplacement, au niveau du son, tout doit être quasiment parfait. Sans parler du mood, effectivement, lorsque les choses ne se passent pas exactement comme je le souhaiterais, il faut absolument que je garde un certain mental. Et croyez-moi que rejouer à Call of Duty World War 2 ou Call of Duty Ghost, ça me donne envie de brûler tout mon appartement. Et ça, c'est pas un euphémisme. Deuxième des raisons, justement, c'est pour éviter de se faire streamhack et que quelqu'un vienne me chercher H24. Et dernier point important, je ne vais chercher que les bombes nucléaires et non les titres nucléaires. Ça veut dire que Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Black Ops 4 et Call of Duty Modern Warfare Remaster ne font pas partie du lot. Et croyez-moi que c'est déjà assez difficile comme ça. Allez, tout est bon, on va pouvoir donc commencer. Je décide de commencer par Call of Duty Black Ops Cold War, Call of Duty Vanguard et Call of Duty Infinite Warfare. Cold War, c'est facile si tu as déjà vu plusieurs fois les vidéos sur ma chaîne et en live stream, c'est juste que je connais le jeu par cœur et que ça va être très facile de la réaliser. Et en vérité, c'est exactement la même chose avec Infinite Warfare et Call of Duty Vanguard. Je bois ma petite potion magique. Je trouve ma première game sur Call of Duty Black Ops Cold War à partir de 10h53. Slums démolition. Évidemment, je suis armé d'une Tech-9 ou d'une LC-10 à partir de ce moment-là. Tu connais les bails sombres. Le chétan en personne valide cette arme. Et surtout, c'est très clairement les meilleures armes du jeu à l'heure actuelle. Évidemment, en strike, je suis équipé de l'annihilateur, de la machine de guerre et du harp, ce qui me permet de claquer la nucléaire plus facilement. Le but étant de réaliser la nucléaire le plus rapidement que possible, comme ça je peux passer à un autre Call of Duty. Et dès la première game, tout se passe plutôt assez bien. Je maîtrise le middle à moi tout seul, je tourne un peu dans les spawns, je fais du kill. Je débloque facilement mes strikes qui vont me permettre de réaliser plus facilement la nuque. En plus de ça, avec l'avantage de connaître par cœur la map Slums et d'y avoir joué pendant plus de 2 ans, bah ça aide bien de bien comprendre les spawns et comment bien enchaîner les adversaires. Tout fonctionne à la perfection. J'ai full strike et le site A va exploser. Ce qui m'arrange effectivement puisque ça rajoute du temps supplémentaire pour la manche en démolition. Le site A explose et je décide de déchaîner les enfers sur Terre. Avec la microstation orbitale, rien ne peut m'arrêter. Je suis carrément en série de 20. Oui, je sens l'odeur de la nucléaire, je la sens! Oh putain, il m'a balancé un gros cancer slide dans ma race. J'ai un peu le démon, mais j'ai pas le temps de pleurer sur mon sort. Malheureusement, dans cette game, beaucoup de tentatives et beaucoup d'échecs. Et ça va être la même chose dans les prochaines games. Je vais réaliser des kill chains incroyables, je vais enchaîner mes adversaires d'une facilité, mais je n'arrive toujours pas à réaliser cette nucléaire. Jusqu'à que je décide de choisir mon mode de prédilection, la domination. Et je tombe directement sur Zo. Alors je vous cache pas que c'est pas une de mes maps préférées en domination, puisque en démolition, par contre, elle est juste incroyable. Le problème un peu de cette map en domination, c'est que étant donné qu'il y a pas mal d'endroits pour camper au top et que n'importe qui peut spawn un peu sur les côtés des spawn back, bah ça reste toujours assez problématique à jouer en domination là-dessus. D'où le fait que je vais utiliser ma technique. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un maximum de kills, essayer de débloquer mes strikes très rapidement et les bloquer sur A.
En fait, ce qu'il faut savoir en domination sur Zo, c'est que si tu as le bâtiment juste devant A, tu peux absolument tout faire. Tu peux partir à droite, à gauche, au milieu et tu pourras les enchaîner un maximum que possible. Jouer avec ce bâtiment permet de réaliser des kills beaucoup plus facilement et en plus de ça, de ne jamais être surpris qu'un adversaire débarque. Sans parler évidemment qu'à partir du moment où j'ai la microstation orbitale, ça devient 3 fois plus simple. Évidemment, les alliés décident de capturer. Ah, décidément, on est en 2023, les mecs ne savent toujours pas comment jouer en domination. Bref, en allant sur C, j'ai failli me faire descendre. Finalement, il se prend un gros coup d'annihilateur dans sa race. Je vide un maximum autour de C, comme ça on re-switch les spots. Je débloque la microstation orbitale et c'est parti, le festival peut commencer. J'essaye de réaliser un maximum de kills autant que ça soit possible avec la machine de guerre, étant donné que les alliés se sont amusés à triple cap et qu'il reste très peu de temps avant que la mi-temps arrive. Tout en faisant attention que je me prenne pas une invincibilité au respawn, oui, parce que dans ce jeu-là, quand tu respawn et que tu te prends un coup de machine de guerre, et ben tu restes en vie. Il faut généralement attendre entre 4 à 6 secondes. Du coup, je fais un peu des va-et-vient comme je peux, étant donné qu'ils spawn au middle. Heureusement, les adversaires décident de capturer le point A, ce qui est à mon avantage. Je retourne dans le bâtiment en attendant qu'ils viennent tous un par un parce qu'ils doivent capturer B et avoir du free kill assez facilement. Malheureusement, la mi-temps se termine à 26 pour moi, donc il me manque plus que 4 kills pour réaliser la nucléaire. Et là, je vais avoir mon premier coup de pression, tout simplement parce que en mi-temps, les gens aiment bien camper au top et c'est un peu normal. Ils décident de réaliser un kill assez facilement au début de mi-temps, soit au top des rails, soit au top des bâtiments. Je décide toutefois de me comporter comme un homme alpha et je décide de partir sur la droite. En partant du principe qu'il y aura un ou deux mecs qui vont passer par là automatiquement, je commence à avoir un deuxième coup de pression où il y a un mec qui me tirait par derrière et qui était au top des rails justement. Je décide de rester autour du bâtiment de A pour réaliser mes deux derniers kills plutôt assez facilement. Et je débloque la première nucléaire sur le premier Call of Duty et tout cela en moins de 30 minutes. Je me permets même de jouer encore un peu parce que étant donné que je m'amuse bien sur Call of Duty Black Ops Cold War, autant continuer le plaisir. Et je termine même pas sur une seule nucléaire dans cette game là, mais une double nucléaire. Double nuque! Je suis grave content d'avoir tapé cette double nucléaire. Alors certes, j'ai tapé mieux si tu as déjà vu les vidéos sur la chaîne, mais cela annonce que du bon justement pour la suite du défi. Mais la nucléaire sur Call of Duty Black Ops Cold War est donc validée, et on part sur Call of Duty Vanguard. Et de nouveau, aucune pitié, je prends ma classe fétiche barre qui atomise absolument tout le monde. Ma classe est complètement broken qui elle met 3 balles à tout le monde. Le problème de cette arme-là, c'est que c'est une arme lente et lourde à la fois, donc il faut pas que je joue sur Das House, mais plutôt sur des maps moyennes, ou tout simplement Dome. Et là, pas de négociation possible, on va directement au domination. Je pense que vous savez désormais sur la chaîne, chaque fois on est dans le top 100 mondial de la domination, ce n'est pas pour rien, c'est parce que je connais ce mode par cœur. Il est exactement 11h30 quand je lance ma première game sur Call of Duty Vanguard. Et durant cette session, je vais faire énormément de fails, dont un très gros fail sur Bocage auquel j'ai affronté deux mecs à plus de 2 de ratio. Ah parce que oui, j'ai oublié de préciser, il n'y a pas de VPN, il n'y a pas de reverse boost. Ici on se comporte comme des hommes alpha. Et en solo aussi, ça veut dire sans teammate, j'ai pas de pote pour venir m'aider. Mais bon, la game juste d'après Bocage, je commence à réaliser une très grosse série. Et d'ailleurs, par la même occasion, je me fais traiter de cheater. Oh les larmes du désespoir, oh, c'est bon. Jusqu'à que le bougre n'assume plus et décide de racheter la game. Et jusqu'à que je me fasse détruire ma série plus de 20 par un mec qui arrêtait pas de camper. En soi c'est pas grave, je me remotive et c'est reparti. À mon grand regret, je rate encore une nucléaire sur la map Oasis. Et finalement la nuque va être débloquée sur Demiansk. Et je vous avoue que je m'y attendais absolument pas. Alors pour vous expliquer les conditions de la game, c'est qu'on s'est retrouvé en 3v5. Et en vérité c'était plutôt du 1v5 parce que mes deux alliés servaient strictement à rien de toute la game. Je devais essayer de capturer et faire des kills contre une équipe de 5 et auquel eux étaient complètement perdus dans la carte. En gros la définition des bots. Voyant que je ne pouvais strictement rien faire, je décide de changer ma stratégie. Ça ne sert à rien d'essayer de capturer les points, la seule chose qui me permet de faire gagner cette game tout en faisant des kills, c'est obtenir la bombe nucléaire. Du coup, je décide d'attendre un peu plus mes adversaires qui viennent d'essayer de capturer A, de temps en temps tuer les mecs qui campent au fond du spawn, comme ça ils ne peuvent pas débloquer leur strike, débloquer au plus rapidement que possible les chiens et la microstation orbitale, pour essayer de foutre un peu la zizanie chez le camp adverse et en attendant que de potentiels nouveaux alliés débarquent dans la game. En fait, débloquer la nuque, c'est même plus un objectif en plus de la vidéo, c'est un objectif en plus pour gagner la game. Puisque vous savez que sur Call of Duty Vanguard, dès que vous sortez la bombe nuque, ça arrête la partie et vous avez gagné. En plus de ça, je joue avec l'amélioration de combat qui permet de mettre des plaques, et croyez-moi que ça peut vraiment sauver la vie. Mais dès que j'ai la microstation orbitale, c'est un pur plaisir. Je me permets de déloger des campeurs par-ci par-là pour qu'ils puissent retourner à un certain spawn et pouvoir les enchaîner. Ils respawnent tous sur A, et c'est ce qui m'arrange, parce qu'avec la microstation orbitale et en plus la maison, je vais pouvoir un peu sucer le top en attendant que d'autres alliés débarquent et que je puisse réaliser un maximum de kills. Ils ne peuvent plus quasiment faire quoi que ce soit, étant donné que c'est très compliqué
compliqué de me déloger et que je sais exactement où ils vont. Et en plus de ça, avec cette arme-là, il s'agit juste de tenir une ligne et c'est absolument fini pour toi. J'ai eu quand même un petit coup de pression lorsqu'il n'y avait plus du tout la microstation orbitale, mais heureusement que j'avais les plaques. Et je décide d'assurer les derniers kills de la nuque qui va permettre à mon équipe de gagner et en plus de ça, réaliser le défi sur Call of Duty Vanguard. Let's go! Je reste dans la game en espérant que je puisse taper une double nucléaire. Malheureusement, ma série se fait directement stop. C'est pas grave, je termine la game, comme ça je peux passer au prochain Call of Duty. Au total, il m'aura fallu une heure sur Call of Duty Vanguard pour que je puisse taper cette V2 Rocket. Donc mathématiquement parlant, je suis bien en avance sur mon horaire. Et je fonce désormais tout droit vers les Call of Duty Jetpack, que ça soit Infinite Warfare ou Advanced Warfare. Et mon premier choix va donc se porter sur Infinite Warfare. Et là, tu vas me poser la question, mais pourquoi choisis directement Infinite Warfare lorsque j'aurais pu attaquer d'autres Call of Duty? Alors, il faut savoir qu'il y a une communauté sur Infinite Warfare qui sont sur Snap et qui traquent absolument tous les YouTubers. C'est un peu le côté sombre d'Infinite Warfare à l'heure actuelle. En gros, c'est un peu le même principe que Sardosh et avec certains mecs qui s'amusent à le streamhack et qui décident d'aller le chercher. Donc en résumé, si je fais une game sur Infinite Warfare et qu'il y a un des mecs de ce groupe-là qui me reconnaît... Il est là ! Ça va me traquer absolument partout dans tous les lobbies d'Infinite Warfare et essayer de me casser les couilles. Et en plus de ça, ça joue avec le XIM 4. En gros, ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un XIM 4, c'est un adaptateur que tu mets sur PlayStation et qui te permet de jouer au clavier souris en ayant tous les avantages de la manette. Ça veut dire que tu joues clavier souris avec de l'aim assist. Alors, je te dis pas les différents problèmes quand tu joues sur Call of Duty Infinite Warfare, qui est un Call of Duty à jetpack avec quelqu'un qui a justement les déplacements d'un clavier souris et tous les avantages d'une manette, ça devient très vite compliqué. D'où le fait que je joue tôt dans l'après-midi, comme ça je suis sûr de passer un peu inaperçu. Je décide de jouer avec ma fameuse Type 2, une arme que je surkiffe, et c'est parti pour aller chercher cette Desatomizer Strike. Je lance ma première partie sur Infinite Warfare à 12h41, et je lance dans le mode MME parce qu'il n'y a strictement personne en domination à ces heures-ci. Et malheureusement, durant cette session-là, il y aura énormément de fails à cause de une seule arme. Si tu as déjà joué à Infinite Warfare, tu dois forcément la connaître, ça s'appelle la Titan. En gros, c'est un fusil mitrailleur qui fait extrêmement mal et qui cale du 2 à 3 balles et qui se comporte en mobilité comme un énorme fusil d'assaut. Et quand il s'agit de gunfight cette arme-là, c'est juste impossible, hormis si tu possèdes la Titan. Et vu que je ne possède pas l'arme et que je suis obligé d'avoir une arme nucléaire, parce que oui, effectivement, sur Infinite Warfare, si tu veux taper la Desatomizer Strike, il te faut une arme nucléaire, ça devient très compliqué de challenge ce genre de personne. Parce que oui, effectivement, ceux qui n'ont jamais joué à Infinite Warfare, pour que vous puissiez obtenir la Desatomizer Strike, il faut absolument que vous possédiez l'arme en mode nucléaire et faire des kills qu'avec cette arme-là, parce que sinon, ça ne va pas compter. Mais finalement, à partir de 14h, je tombe sur la meilleure map pour réaliser plus facilement la nucléaire. La fameuse map mythique Terminal. L'avantage de cette map là en match à mort par équipe, c'est que les spawns sont très fixes. En réalité, il y a 3 points qui sont extrêmement fixes, que ça soit dans l'avion, derrière du spawn ou carrément au niveau du hangar. Et surtout, à partir du moment où tu as la microstation orbitale, ça part très vite sur Infinite Warfare. Le début de game se passe plutôt bien, je commence directement par une -4 et effectivement, je me fais directement stop par une Titan. Dans ma tête, j'en ai qu'un objectif, débloquer le plus facilement que possible mes strikes pour le faire rage quitter. Je chope ma revenge sur lui, je fais un free kill dans le spawn, je flanque tout un groupe en passant par leur spawn, et par la même occasion, je calme le tryhard avec sa grosse Titan. Le spawn a changé, donc je décide de rester bien correctement sur le côté droit, étant donné qu'il y a pas mal de head glitch, et vu que je ne sais pas qui va décider de me push ou pas, je décide de rester bien caché. Je retue encore une fois le tryhard, et cette fois-ci, il rage quitte pour de bon. Et maintenant que je sais que plus personne joue à la Titan, j'ai vraiment les cartes en main pour la réaliser cette Desatomizer Strike. J'en profite un peu de rester sur le côté droit pour réaliser quelques kills, étant donné que j'ai bientôt tous mes strikes, et je débloque mon système IEM. Oui, parce que en fait, sur Infinite Warfare, à partir du moment où tu améliores le drone de brouillage, tu peux le faire en mode système IEM. Je fais 2 kills supplémentaires et j'ai enfin ma microstation orbitale. Je lance la microstation orbitale et, à ma grande surprise, une bombe IEM apparaît de nulle part. Je vous avoue que j'étais un peu perplexe étant donné que j'arrêtais pas de les défoncer sur le côté droit. Je contourne donc mes adversaires pour éviter de mourir soit par un gros push par devant, soit par derrière avec les spawns. Et je croise par la même occasion le mec qui m'a balancé le système IEM et qui était en train de camper au fond du spawn. Sa série est cassée, on peut retourner donc sur la nuque. Mais malheureusement, je n'aurais pas pu profiter de ma microstation orbitale. Je fais quelques kills par-ci par-là pour essayer d'avoir de nouveau ma microstation orbitale, tout en minimisant les risques au maximum que possible. Je me retrouve carrément dans le spawn ennemi en train de chercher un maximum d'adversaires que possible, et heureusement qu'il m'a pas vu et que je l'ai entendu avec le casque. Le bougre était bien caché. Et là, j'entends un doux son qui me dit qu'il y a une microstation orbitale d'un allié, et d'ailleurs qui m'a bien sauvé la vie étant donné que 2 mecs ont spawn juste en bas de l'avion. Et malheureusement, je fais une connerie. À la boulette. Je balance ma microstation orbitale lorsque de base je voulais balancer mon système IEM. Parce qu'effectivement, sur Infinite Warfare, contrairement au Black Ops, tu peux balancer une autre microstation orbitale lorsque une autre microstation orbitale est active. Bah du coup, j'en ai gaspillé une quoi. En soi, le mal est fait, c'est pas grave, je continue à enchaîner un maximum de kills que possible, tout en faisant attention de pas se manger un gros spécialiste. Et je vais avoir un énorme coup de pression à 24, et je maintiens ce que je pensais dans ma tête, ce mec aurait dû mourir. Mais c'est pas grave, je fais le dernier kill, et je débloque ma Desatomizer Strike. Oh, let's go! Il m'aura fallu au total 1h20 pour taper la nucléaire sur Infinite Warfare.
fanfare. Mais par la même occasion, je voulais absolument vous partager ce son-là qui est absolument mythique. Oh, ce son est orgasmique. Après avoir délogé ma main de mon falzar, je lance directement Advanced Warfare. Je reprends un petit coup de potion magique, avec un surplus de poudre blanche. Mais non, c'est pas de la cocaïne, voyons. C'est de la ritaline pilée. Et à 14h12, je débute mon aventure sur Advanced Warfare. D'ailleurs, alerte spoiler, cela va être de courte durée. Je suis équipé de la légendaire balle obsidian. Mais oui, vous la connaissez forcément. Gotaga avait lâché 200 boules pour essayer de l'avoir. Et avec comme strike le drone et le piratage. En gros, le système IEM. On repart évidemment en match à mort par équipe parce qu'il n'y a pas du tout du monde en domination. Et la première map auquel je tombe est en retreat. J'entre dans une game déjà en cours et je suis surpris de moi-même parce que je vais très vite me réadapter à Advanced Warfare. Étant donné que ce n'est pas du jetpack et de l'exosquelette, les mécaniques de jeu sont complètement différentes de ce que je connais via Call of Duty Black Ops 3 ou Infinite Warfare. C'est un style un peu plus agressif et un peu plus basé sur le réflexe. Bref, tout ça pour dire que j'enchaîne bien les kills, je débloque assez vite mon drone et mon piratage, mais j'évite de prendre trop de risques parce que l'atout fantôme dans ce jeu te permet d'être complètement invisible et cela peu importe ce que tu mets sur ton drone. Étant donné que la microstation orbite n'existe pas réellement sur ce jeu. Et vu que j'ai mis le piratage, de toute façon tout le monde est bloqué à terre et c'est pour ça que je vais en profiter. L'avantage justement avec le piratage, c'est que je peux jump shot autant que je le souhaite et eux ils sont cloués au sol. Je suis carrément en train de les démolir jusqu'à que le... Non ! Je me prends un méchant spawn back par le level le plus bas de la game. J'ai le démon absolu. Vu que c'est la fin de game et que je sais de toute façon que je peux pas taper la nucléaire, je continue à m'échauffer parce que je souhaite rester absolument dans ce lobby là parce qu'il y a une très grande probabilité que je puisse taper la nucléaire lors de la prochaine game. À 14h18, je tombe dans la map Biolab. Je débute ma série au niveau du laboratoire et je décide de zoner autour des deux bâtiments parce que comme je n'ai toujours pas le drone, autant pas prendre de risques. Surtout avec les tubes explosifs qui peuvent exploser la gueule à n'importe quel moment. Les types viennent un par un vers moi et je les calme très vite jusqu'à que je reçoive mon premier coup de pression, mais finalement je m'en sors plutôt assez bien et je termine avec un double kill. Je débloque le drone et je me permets de fumer l'autre gros campeur. Maintenant tout est plus simple avec le drone, je me permets de rusher un peu partout étant donné que personne ne joue avec fantôme. Je débloque la IEM et là c'est vraiment parti pour bien s'amuser. C'est un peu le principe du tir au pigeon, tu sais, sauf que c'est moi le pigeon avec une arme et c'est eux qui sont cloués au sol. Je peux faire des gros moves d'hyperactif comme je le souhaite et eux ils sont toujours cloués au sol. J'enchaîne les kills et je tombe sur le tryhard de la game qui décide de jouer un peu à cache-cache avec moi. Finalement je le descends lorsqu'il m'attend dans un petit corner de base. Je joue un peu plus safe pour être sûr de débloquer le drone et je me rends compte que je suis en série de 20. Je refais un kill par la même occasion, mais maintenant que j'ai le drone, je vais pouvoir jouer un peu plus agressif. Je remarque d'ailleurs qu'il y a un mec qui joue avec le troublon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un fusil à pompe qui one shot, donc je vais devoir faire attention. Et je balance le système IEM. Il me manque plus de 5 kills pour débloquer cette DNA. Je vous avoue qu'à un moment j'ai commencé à paniquer lorsque j'ai vu un mec sortir un bouclier. Je décide de le laisser tranquille et comme par hasard, il y a un spawn back qui me tombe en plein milieu du crâne et ça m'arrange. Un mec essaye de me flanquer et je l'abats direct et je débloque la DNA sur le mec au bouclier. Il m'aura fallu au total 13 minutes sur Advanced Warfare pour la taper. Pour la beauté du gameplay, je décide encore de faire quelques kills par-ci par-là, autant qu'on essaye d'avoir un maximum d'invincibles que possible. Et pour être honnête, je les défonce bordel. Je fais carrément une série de 40 kills sans mourir, jusqu'à que le troublon casse toute ma série. D'où le fait que je prenais mes précautions avant comme je vous le disais avec cette arme-là. Je balance la DNA et c'est donc terminé sur Call of Duty Advanced Warfare. L'avantage d'avoir terminé aussi vite Call of Duty Advanced Warfare, c'est que ça va me laisser potentiellement plus de temps pour les autres Call of Duty. Puisque je rappelle que je suis largement dans les temps et qu'une avance sur mon horaire me permet d'avoir une pression en moins. Et c'est là que le prochain Call of Duty va foutre tout le bordel. Il y a un Call of Duty sur Terre que je hais par-dessus tout. AK. No God! No God, please no! No! Oh, le seul jeu de cette planète qui peut te filer un infractus au bout de 2 heures de jeu. Mais bon, je décide d'attaquer ça maintenant, comme ça je m'en débarrasse. Enfin, c'est ce que je pensais. Et là, je n'aurai strictement aucune pitié sur World War 2. Je sors la batteuse, division blindée et direction shipment. Alors, oui, je sais, c'est très cancer de jouer ainsi. Mais sachez que les 3/4 de cette planète jouent ainsi sur World War 2. Et entre les fusils à pompe enflammés, réquisitions et les mythes qui enlèvent la moitié de ta vie même quand tu te couches, ma conscience est très clairement en paix sur ce jeu. Et malheureusement, tout ce que je craignais allait arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, sur les nucléaires, sur tous les Call of Duty, quand je réalise la vidéo, il y a toujours deux Call of Duty qui foutent le bordel. Soit c'est Call of Duty World War 2, soit c'est Call of Duty Ghost. Je lance ma première game sur Call of Duty World War 2 à 14h27. À 17h05, je décide de rage quitter le jeu. Soit une période de temps de plus de 2h40 sans être capable de réaliser cette V2 roquette. Et le pire dans tout ça, c'est que j'avais réalisé d'énormes grosses games, des plus de 100 kills, des vicieux, mais je n'arrivais toujours
toujours pas à réaliser cette V2 roquette. Et comme je vous ai déjà expliqué avant, mon pire ennemi c'est le temps, donc ça sert à rien que je passe plus de temps sur un Call of Duty, si je sais que je peux aller sur un autre Call of Duty réaliser les autres nucléaires en attendant. Donc je laisse de côté World War 2 et je décide de partir sur Ghost. Non pas pour y claquer la KEM tout de suite, mais tout simplement pour m'échauffer, étant donné que c'est le Call of Duty auquel j'ai le moins joué ces derniers temps. Je vais passer une heure sur Call of Duty Ghost, en train de réfléchir quel Call of Duty je vais devoir jouer après. Et je sais pas pourquoi mon instinct me dit d'aller sur Call of Duty Modern Warfare 2019. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois de ma vie qu'il me dit d'aller sur Modern Warfare 2019. À 18h14, je lance donc ma première game sur Call of Duty Modern Warfare 2019. Et là, je vais être concentré comme jamais. Puisque vous le savez, sur Call of Duty Modern Warfare 2019, le skill base matchmaking est vraiment présent. Mais vu qu'il s'active sur les 5 dernières parties que tu as réalisées, et que c'est ma première game de la journée, c'est maintenant ou jamais pour essayer de taper la nucléaire le plus facilement que possible. Donc si je veux une pression en moins, il y a intérêt que je la claque maintenant. D'où le fait que je suis concentré à 3000%. Je suis équipé de ma légendaire M4A1, avec le petit camouflage obsidian pour bien se la péter. Et ce début de game va très mal commencer. Je me fais calmer dès le début, et je me rappelle que sur ce Call of Duty là, il ne faut pas jouer agressif comme sur les autres Call of Duty. Je calme donc un peu mon tempo, et je commence à vouloir jouer un peu plus autour des points pour commencer à slay mes adversaires. Le but étant de réaliser plus facilement mes strikes, que mes alliés capturent un maximum que possible l'objectif, et que je passe un peu en sneaky dans les bâtiments. Puisque Krasnared étant une map assez énorme, n'importe qui peut débarquer à n'importe quel moment. Et surtout camper à n'importe quel top du bâtiment et auquel je vais me faire directement fumer. Je commence carrément à les flank dans leur spawn, je suis en série de 10 et je balance la DAF pour foutre un peu le bordel, ce qui permettra par la même occasion de casser éventuellement des séries des adversaires. Je temporise un peu dans la game pour m'assurer du drone amélioré, et parce que aussi je ne possède plus de munitions avec ma M4A1. Et un miracle se produit, un allié sort un drone amélioré. Là j'ai clairement toutes les cartes en main pour réaliser cette nucléaire. Je réalise le 12ème kill pour débloquer le drone amélioré, et je commence à instaurer une phase de spawn kill. Et il faut que je réalise un maximum de kills que possible, parce que malheureusement le drone amélioré dans ce jeu ne dure que quelques secondes. Quand je vais profiter du dernier kill avec le drone amélioré, je vais avoir une petite frayeur parce qu'il y a un mec qui va balancer une grenade au bol qui a failli me tuer. Et je réalise mon dernier kill visible avec le drone amélioré. Je reprends donc la stratégie de départ, et je reste autour du point pour réaliser un maximum de kills que possible. Je suis en série de plus de 20, un mec a failli me flanquer mais heureusement que je l'entends avec le casque, je flanque quelques adversaires par-ci par-là, je tue un mec qui campait derrière la voiture de base, j'entends un campeur qui débloque la boîte de munitions, je décide de me mettre au top pour avoir une vue plongeante dans le spawn, je fais mon 27ème kill, mon 28ème kill, mon 29ème kill, et là le stress est à son paroxysme. Je n'ai plus que un kill à faire pour la débloquer, pour finalement les flanquer derrière le point, pour qu'au final... Let's go! Putain de coup! Premier coup! Il m'aura fallu 9 minutes sur Modern Warfare 2019 pour la taper, et j'ai réussi à la mettre du premier coup. Je balance directement la bombe nucléaire, comme ça je me débarrasse de Modern Warfare 2019. Et je profite par la même occasion de faire une petite pause, vu que ça faisait exactement plus de 8 heures que j'étais en train de jouer non-stop, et que j'étais encore tendu à cause de World War 2. Après ma grande pause de plus de 50 minutes, je lance ma première game sur Call of Duty Modern Warfare 2. Enfin, celui de 2022. Je commence donc ma première game sur Modern Warfare 2 à 19h17. Et comme pour Modern Warfare 2019, j'ai intérêt à me grouiller. Alors l'avantage c'est que ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas touché Modern Warfare 2, donc j'aurai pas un skill base matchmaking trop violent lors des premières games. Et je vais avoir le démon, parce que dès ma première game, je vais filer la nucléaire à 24 et je vais réaliser un plus de 100 kills. Alors en soi, la game elle est cool, mais vu que j'ai réalisé une très grosse game, je sais que le skill base matchmaking va très vite me pénaliser. Mais contre toute attente, lors de la prochaine game sur Azilio, je tombe exactement dans le même lobby. Et là je sais que je n'aurai pas le roi une seconde chance. Je prends ma best class setup STB et je sniffe toutes les réserves de cocaïne de la Colombie. Objectif nucléaire dans cette game. Le lobby est vraiment bien, par contre je joue tellement agressif que je commets des erreurs que je ne devrais pas. Donc je me la rejoue en mode Modern Warfare 2019 et je joue un poil moins agressif que je suis censé l'être. Et cela fonctionne parfaitement bien puisque j'arrête pas d'enchaîner les kills. On instaure une phase de spawn kill tout en protégeant le point, je dégomme le mec qui voulait péter ma série et je débloque très rapidement l'hélico de reconnaissance. Nouveau point, nouveau spawn, je passe de l'autre côté de la map. J'enchaîne un maximum de kills que possible et les spawn switch de l'autre côté. Je suis à quelques points de mon drone amélioré, donc je fais gaffe. Je fais mon 15ème kill et je débloque par la même occasion le drone amélioré. C'est donc le moment de rentabiliser à mort le drone amélioré. Je réalise un maximum de kills que possible, je monopolise carrément la feed et je suis en série brutale. Un mec AFK, j'en profite, mais malheureusement le drone amélioré est terminé. Donc je fais un peu plus attention et je reste un peu dans le bâtiment. Je réalise le 27ème kill, le 28ème et le 29ème, et pour qu'au final... Il m'aura fallu moins de 30 minutes pour la mettre sur Modern Warfare 2. Je balance directement la bombe nuque, je veux très vite passer au prochain Call of Duty. Mais je suis complètement boosté à mort. Dans ma tête, je suis comme ça. L'espoir,
s'est embrasé. Je réalise les deux nucléaires les plus compliqués à l'heure actuelle de la licence, et tout cela en moins d'une heure. Et là, c'est le grand retour sur PlayStation 3, puisqu'on part sur Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3. Parce que oui, vous pouvez toujours jouer aux anciens Call of Duty sur PlayStation 3, contrairement aux TikTokers à deux balles qui connaissent rien à Call of Duty, et qui font tout pour essayer de gratter un maximum de vues. Ce qui me rappelle par la même occasion de vous dire de vous abonner à cette chaîne YouTube, autant vous abonner à quelqu'un qui s'y connaît réellement sur Call of Duty. Oui, c'est bon, j'arrête l'instant promo. Je lance ma première game sur Modern Warfare 2 à exactement 20h11. Je tombe sur la map afghan et je tombe dans une game modée, ce qui signifie qu'on se retrouve en 9 vs 9 en domination. Ce qui m'arrange complètement vu que la bombe nucléaire sur Modern Warfare 2 étant l'une des plus faciles. Un petit coup d'arrière, un petit coup de mitrailleur hélico et c'est bon, la bombe nuque tu l'as très rapidement. Je joue directement ACR silencieuse et le but ça va être réaliser la nucléaire la plus rapidement que possible pour éviter de tomber sur des cheaters. Je commence à enchaîner des kills jusqu'à que je me rends compte qu'en fait le cheater est dans mon équipe. Alors autant pour moi parce qu'il va pas me casser la série, mais autant j'aimerais pas qu'il balance la bombe nucléaire à partir de 10 points de domination. Je commence à instaurer une phase de spawn kill autour de C et je débloque rapidement le harrier. Je me cache, je balance le harrier sur C et je reste devant l'entrée de la grotte pour fumer les potentiels mecs qui décident d'en sortir. Je réalise un kill avec le bombardement, ensuite un double kill avec l'aide du harrier et le harrier me permet de débloquer le mitrailleur hélico. Il refait carrément un kill derrière. Je lance le mitrailleur hélico et le harrier refait un kill d'ailleurs. Il est complètement déchaîné le truc. Je mitraille le spawn C, je récupère 3 kills dessus, je réalise 2 kills sur la position A, 2 autres dans le bunker et la pierre des craintes débarque. Ils ont ferraillé mon mitrailleur hélico. Je récupère un kill tout de même grâce au bidon d'essence, je récupère un kill sur A, je protège la position B, ce qui m'arrange, je refais de nouveau un kill sur A pour en refaire un juste derrière et débloquer la bombe nuque. Sauf que... le cheater décide de m'exclure de la game. Alors il m'a exclu au bon moment, car il aurait pu m'exclure à 24 et j'aurais eu un démon incroyable. Mais d'un côté je suis un poil dégoûté parce que j'aurais pu réaliser potentiellement la double ou la triple nucléaire en plus du challenge. Mais d'un côté j'aurais réalisé la bombe nucléaire en moins de 10 minutes sur Modern Warfare 2. Et dès la première game quand même. Du coup je fonce directement sur Modern Warfare 3. Je lance ma première game sur le jeu à 20h20 et je sais pas si c'est votre cas, à chaque fois que je reprends Modern Warfare 3 j'ai énormément de peine. Dû à l'atout tracker, parce que la visée lors de la vitesse de marche était beaucoup plus élevée qu'on ne la connaît aujourd'hui. Puisque c'est à partir de Call of Duty Black Ops 3 que le principe de la crosse a été modifié. Et mon dieu, sur mes premières games de chauffe, je galère à mort. Même si effectivement, faut prendre en compte aussi le niveau de fatigue, qui m'aide absolument pas à être aussi focus qu'au début du challenge. Sans parler que je tombe également sur des games de cheaters, donc c'est pas forcément drôle. Après une heure d'adaptation, je fais ma plus grosse série à 19. Mais ce qui va arriver après est juste incroyable. En fait, dans ma game, j'avais des francophones qui cheataient. Alors, pas au sens négatif, mais au sens positif. Ils vont carrément modder une game domination 9 vs 9 sur Modern Warfare 3, chose qui n'est pas censée exister sur PlayStation 3, ce qui signifie des games plus intenses et avec plus de kills. Et la game d'après, je tombe sur Hard Hat en domination de 9 vs 9. Ça, quel plaisir! Mais malheureusement, je fais de la mob à 2 kills. Et la game d'après, c'est directement bootleg. Alors évidemment, j'ai pas vraiment besoin de présenter l'arme. ACR silencieuse en or, les bons bails sombres de Modern Warfare 3. Je passe à gauche de la map, je tape le premier sang, je réalise le deuxième kill, et puis, non, je peux pas expliquer ça. Autant vous laisser savourer l'enchaînement. Et dire qu'il y a des gens qui aiment pas Modern Warfare 3. J'ai enchaîné une série de plus de 10 en quelques secondes. Malheureusement, les spawns tournent. Je reviens donc sur mes pas. Je fais un premier kill, un deuxième et un troisième sur un AFK. Le spawn est juste devant moi, donc j'évite de faire un move débile. Je récupère un kill par la même occasion. Je suis en série de plus de 18 et les spawns ont tourné. Et je commence à m'orienter vers le spawn. Oh le fils de... Là, c'était plus l'homme qui parlait. Mais c'est le tryhard hashtag 1 qui a répondu. Fallait que je le soulève à tout prix, ce type. Thank you.
Les types se sont mangés une mob en 2 minutes. Pas trop mal pour quelqu'un qui joue plus à Modern Warfare 3. Malheureusement, je n'aurai pas le temps pour essayer de taper une double mob, mais un allié dans la game a réalisé également la mob. Faut se dire que les mecs ont failli se manger une triple mob quand même. Finalement, il m'aura fallu un peu plus d'une heure pour taper cette nucléaire sur Modern Warfare 3. Et je dois donc malheureusement retourner sur World War 2 et Call of Duty Ghost pour terminer le défi. Je relance donc ma première game sur World War 2 à 21h52. Parce que oui, effectivement, j'en ai profité pour faire une petite pause de 10 minutes. J'essaye à peu près tous les modes de jeu disponibles, la domination et la mêlée générale, et rien n'est vraiment convaincant. Jusqu'à que je tombe dans une game sur Shipment à 22h28. Et comme je vous ai dit sur ce jeu, je commence à réaliser des kills un peu partout, même si c'est plus essentiellement sur le côté gauche de la map, avec pour objectif de débloquer très rapidement mes strikes. Parce qu'à partir du moment où je débloque les strikes, je vais pouvoir bloquer les spawns à mon avantage. Et surtout sur Shipment, auquel c'est super important pour éviter qu'un mec spawn derrière toi. D'où le fait que je joue avec l'atout qui me permet d'avoir les 4 strikes. Parce qu'en combinant les 4 strikes à la fois, ça devient ultra meurtrier. Je débloque l'artillerie et je le balance sur C pour que justement il spawn devant moi. Je débloque le bombardement incendiaire, ce qui va permettre de rendre plus weak mes adversaires, et donc j'aurai moins de balles à mettre pour tuer quelqu'un. Et par la même occasion, ça fait un carnage. Mais malheureusement, les alliés ont décidé de vouloir prendre C. Ah, les alliés sur World War 2, c'est un peu comme des taureaux. Dès qu'ils voient un truc rouge, il faut absolument qu'ils foncent dessus, tête baissée. Surtout sur Shipment, auquel cela ne sert à rien de triple cap. Bref, je réussis quand même à défoncer les mecs qui spawnent sur le côté gauche. Je débloque les parachutistes. Les adversaires respawnent exactement là où je veux. Les parachutistes sont en train de faire clairement un massacre. D'ailleurs, d'où le fait que je les mets parce que j'ai plus confiance en mes parachutistes qu'en mes alliés. Les adversaires reprennent C, ce qui m'arrange évidemment. Malheureusement, les spawns tournent, mais je réussis facilement à gérer le spawn back. Je refais quelques kills par-ci par-là et je débloque l'artillerie à nouveau. Comme ça, je vais pouvoir bloquer un spawn à ma guise. Je débloque par la même occasion la médaille vicieux. Je réalise un double kill. Je balance le bombardement incendiaire exactement au même endroit. Je fais un double kill. Par précaution, je recharge et éventuellement où il y a trop d'adversaires qui débarquent pour finalement. Let's go! Let's go! Let's go! Je sors enfin la V2 Rocket après plus de 3 heures de tentative. Et croyez-moi que sur le coup, c'était un poids en moins mentalement. Je me permets même de réaliser la double médaille vicieux et je termine sur un plus de 100 kills. Et désormais, je peux attaquer Call of Duty Ghost, sachant qu'il me reste moins de 12 heures pour la réaliser. Mais le souci avec Call of Duty Ghost, c'est qu'il reste pas grand monde en fait sur PlayStation 4. Et très souvent, je tombe sur les lobbies US étant donné que je trouve quasiment personne sur les serveurs européen. Et vu que je ne veux pas que le défi dure à l'infini, je veux réaliser la nucléaire le plus facilement que possible et le plus rapidement que possible pour éviter de me retrouver dans une situation inconfortable à partir de 2, 3 ou 4 heures du matin. Et vu que je rappelle que je joue depuis 10h50 ce matin, la fatigue est vraiment présente. Je lance donc ma première game sur Call of Duty Ghost à 22h40. Évidemment que je suis équipé de la fameuse Honey Badger, qui est très clairement la meilleure arme du jeu, et équipé de tous les atouts spécialistes, ce qui me permet d'avoir œil de lynx et en plus de sa détermination pour avoir la nucléaire plus facilement. À 23h06, j'aurais pu terminer le défi une bonne fois pour toutes, mais malheureusement, je meurs en série de 19. Je fais quelques games par-ci par-là, mais je n'arrête pas de bugger étant donné que je suis sur les serveurs US. Je fais même des petites pauses de 10 minutes pour bien rester focus, et finalement, la seule game sur serveur européen auquel je vais tomber est sur Overlord. Alors si t'as déjà joué à Call of Duty Ghost, tu sais que c'est une des maps les plus grandes du jeu. Et qui dit Call of Duty Ghost dit forcément camping. Ah, les mecs qui jouent à ce jeu-là encore, c'est des anciens marines, ça, attention, hein. Pour eux, la guerre, c'est un sujet très sérieux sur ce Call of Duty. Lance-grenades, mines, batteuses-viseurs thermiques, tous les moyens sont bons pour eux d'aller récupérer un kill. Je commence la game à 23h56, et dès le début, c'est exactement ce que je craignais. Et tout d'un coup, je me concentre. Je réalise un premier kill, un deuxième kill, un joli double kill qui me permet de débloquer tour de passe-passe, pour finalement entièrement vider le spawn. Et c'est à ce moment précis que je me rappelle d'une chose importante sur Ghost, qu'il ne servait strictement à rien de vouloir attaquer sans cesse le middle map, mais de devoir attaquer sur les côtés de la map. Puisqu'en réalité, les spawns sur Call of Duty Ghost se situent plus sur les côtés. Et c'est à ce moment précis que je commence à les défoncer. Sachant qu'en plus que j'ai débloqué amplification, tous ceux qui vont oser vouloir me rusher, je vais les entendre à 3 km. Je vide carrément un spawn et je passe désormais sur les côtés de la map et par la même occasion je débloque œil de lynx. Je bouge de l'autre côté de la map étant donné que les spawns ont tourné et je tue deux fois de suite le même type pour finalement débloquer tous les atouts spécialistes. Je retourne à mon point d'origine, je réalise mon 15e kill, mon 16e kill, je tape carrément ensuite une triple kill. Ah, c'est jouissif d'avoir œil de lynx quand même. Un mec essaye de s'échapper du spawn, je le calme très vite. Je tue un campeur que j'ai pu voir affiché sur la mini carte grâce à l'atout sonar lorsque j'ai réalisé mon 20e kill. Je tue le mec qui spawn killait mes alliés. Je tue un AFK ou un campeur. Je ne sais toujours pas. Je suis à un kill de la KEM. Le jeu décide de me faire un gros coup de frayeur, mais pour qu'au final... Oh,
Je réalise le défi. Toutes les bombes nucléaires réalisées en moins de 24 heures. Et sachez que c'est un world first. Personne au monde n'a été capable de le réaliser. Je suis le premier à l'avoir réalisé et tout ça dans un temps record. J'ai commencé le défi à partir de 10h53 pour le terminer à minuit 02. Ce qui signifie que tout ceci a été réalisé en 13h09. Et je dois dire honnêtement que j'ai adoré faire ce défi là, même si je me suis énormément énervé sur Call of Duty World War 2 et Call of Duty Ghost. C'est ce genre de défi ultime et fun à la fois qui me donne encore envie de jouer au multiplayer à l'heure actuelle. J'espère que ce défi vous aura autant plu à regarder en vidéo que moi de la réaliser. Pour les fidèles qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires 24 heures, de me dire également si tu kiffes ce nouveau style que j'essaye d'amener sur la chaîne YouTube, de partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux possibles, de liker la vidéo, de vous abonner et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty. Ciao ciao tout le monde. Attends, t'es toujours pas abonné là? Bah tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublie pas de checker les autres vidéos.